Encore avec un hall action. Je vous ai dit que j'y allais souvent. Hein. Donc voilà, tant pis, vous aimez ça. Alors, j'ai pas énormément de choses. Voilà, il y a des choses qu'il me fallait. Donc, alors, du coup, je vais me baisser. J'ai prioritairement acheté des cintres. C'est des lots de 10. Alors, ceux-là, c'est ceux qui sont en velours, je crois. Aspect velours. Attendez. Ouais, c'est ça, c'est les aspects velours. Et c'est. Ils sont à 2,99€. Voilà, si je ne me trompe pas. Ça, il nous en faut, vu que ça y est, le dressing est en train de se faire. J'ai pris des lampes pour la terrasse. J'en ai pris 3. Solaires. Voilà. Donc, ça, je vais les mettre là, parce que j'aimerais pas les casser. Voilà, alors il y a Action et Nose, de toute façon vous l'aurez vu dans le titre. J'ai pas mal d'orchidées, mais j'ai des orchidées où au niveau du cache-pot je suis un peu embêtée. Donc j'ai repris 3 petits cache-pots parce qu'ils étaient à 42 centimes ou quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai repris 3 cache-pots. Alors j'ai pas eu le choix de couleur, j'aurais préféré blanc, mais vu qu'il n'y avait pas, ben, j'ai pris rose. Hein. J'ai pris le petit frère du premier, voilà. Je viens de remarquer quand même, maintenant, qu'ils sont tous dans le même dans un bac comme ça. C'est les chats qui changent. Donc, enfin, des premiers, parce que j'en avais déjà 2. J'ai pris, alors j'ai vu sur la chaîne de Valenco, le truc du bun, cela, vous savez, pour nettoyer les pinceaux. Donc, j'en ai pris un exprès pour ça, parce qu'à 50 centimes, un truc comme ça, bon. On va tester, puis on verra ce que ça donne. Donc, voilà, il faut que je trouve un pot maintenant. Je me suis pris cette assiette que je trouve magnifique. Elle valait 1€. Et c'est pour faire un vide-poche sur mon dressing. Enfin, dans mon dressing, j'ai donc la commode. Et je vais le poser sur la commode pour l'instant. Et quand ma bibliothèque sera finie, je compte le mettre sur la table basse. Et je viens de voir que le bord est abîmé. Je n'avais pas vu, je suis dégoûtée. Bon, ça se voit pas. Donc, voilà. Je trouve que c'est super mignon. Donc, j'ai continué avec les pots. Donc ça, c'est j'ai pris un modèle que je n'avais pas. Voilà. Mais non, c'est parce que j'ai des graines. Donc, de toute façon, toutes les excuses sont bonnes. Vous l'avez bien compris. Encore des sacs poubelles à la lavande. Là, c'est pour mettre dans la salle de bain. Et je me suis pris... bon, ceux qui me suivent sur Snap, vous le savez, vous l'avez vu. Donc, j'ai fini. On a fait le dressing. On a monté le mien. Normalement, demain, on monte celui de mon homme. Et ça, c'est pour décorer. J'ai des tiroirs blancs laqués et des tiroirs couleur un peu bois cirusé. Et c'est pour coller dessus. Enfin, coller. Pour mettre dessus. Alors, je vais coller la ficelle à l'intérieur du tiroir pour pas que ça fasse trop flagrant. Et mettre que le petit cœur soit devant. Donc, soit en bois sur les blancs et les blancs sur les couleurs bois. Et comme j'ai mis la commode Malme, ouais, Ikea quoi, au milieu de mon dressing, au milieu des deux meubles, elle a les couleurs peint, je crois que c'est peint, ouais, elle a 3 tiroirs, sur le tiroir du milieu, je veux mettre celui-là de cœur, voilà, et sur le plus grand des tiroirs que je vous ai dit, là, j'ai les tiroirs peints, les tiroirs laqués blancs, j'ai un grand tiroir laqué blanc, et là, je veux mettre celui-là, voilà, en gros. C'est pour décorer, je vais voir ce que ça donne. Si ça rend pas des masses, eh bien, j'enlèverai tout et j'y mettrai ailleurs, hein, pas s'inquiéter. Et chose très intéressante, j'ai pris de la colle. C'est pas pour coller ça, je tiens à préciser, puisque je vais essayer de les fixer sans que ça abîme les tiroirs. Voilà. Donc c'est pas spécialement pour coller ça. Et ensuite, Nose. Alors Nose, j'ai 2 poches. Alors. La moins intéressante pour moi. J'ai pris de la terre, vous savez, c'est on met avec de l'eau et ça se détend. J'en ai pris, ça fait une équivalence de 10 litres. Donc je me suis dit, ça c'est plutôt pas mal. À 2€. Donc voilà. Ça c'est pour mettre mon sac à redescendre. C'est pour mes plantations. J'ai pris
Ils sentent bon. des petits déodorants là. Fraîche et vanille. Hein. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Ceux-là, ils étaient à 2 euros. Je ne connais pas ceux-là, donc on verra bien. J'ai pris 3 huiles. 3 petites huiles. L'huile de germe de blé qui est pour. Riche et très émolliente, l'huile de germe de blé est remarquable pour les peaux sèches, déshydratées, ce qui est mon cas, et pour les cheveux secs. Elle nourrit la peau mature en la préservant de du vieillissement cutané. Donc voilà, hein, c'était fait pour moi celle-là. J'ai pris de l'huile d'argan. L'huile d'argan, c'est riche en vitamine E. Ben, remarquez, on sait à peu près l'huile d'argan. Hein. Permet de lutter contre le vieillissement physiologique en redynamisant la peau et en activant les fonctions vitales des cellules. Elle fortifie les cheveux secs, ternes et cassants en nourrissant et revitalisant le cuir chevelu. Je vais y arriver, on est le soir. Hein. Et la dernière, c'est l'huile de coco. Mais c'est pareil, on sait à peu près. Hein. L'huile de coco est très appréciée pour ses propriétés protectrices, adoucissantes et émollientes pour la peau. Cette huile exotique s'emploie aussi sur les cheveux pour leur donner brillance et vigueur. Voilà, donc j'ai pris 3 petits flacons comme ça. Je verrai comment je les utilise. Voilà. Bah déjà, le germe de blé, c'est pour le visage essentiellement que je l'ai pris. Donc, on verra à ce moment-là. Je les mets à part parce que j'aimerais pas qu'ils se cassent. Donc, le premier sachet est fini. Et le deuxième. Alors, je vais enlever ça en premier parce que c'est en train de s'abîmer et ça m'énerve. Je trouve ça dommage. J'ai pris 2 à 50 centimes. C'est des petits autocollants chi. Il y a du chi. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, il y a en effet l'un pour l'autre. Heureux anniversaire, mon petit chat. Love, fun. Je suis un super héros. Quand les chats sont partis, les souris dansent. Ensemble, levé tout près de toi. Je donne ma langue au chat. Une vie de chat. Enfin voilà, c'est mon chat et moi. Enfin voilà, c'est plein de petits autocollants. Et je me suis dit que voilà, pour coller à divers endroits. Voilà, c'est. Puis c'est chi quoi. Quand j'ai vu chi, j'ai pas réfléchi. C'est ça. Et attendez, c'est pas fini avec chi. Donc pour continuer sur chi, j'ai trouvé. Ceci, alors c'est. Comment vous expliquer? Souvent on les utilise pour la pâte fimo. Vous savez, ça fait comme des empreintes. Mais on va voir comment je l'utilise. Je m'en fous. En réalité, c'est juste parce qu'il y a chi. Voilà. Parce que voilà. Elle est trop mignonne. Donc voilà. J'ai pris chi. Voilà, c'est ça, les formes, elles ressemblent à ça. Je verrai comment j'utilise, hein, si j'utilise d'une manière ou d'une autre, mais j'utiliserai bien. Ensuite, j'ai failli en prendre 2, mais je me suis retenue. J'ai pris du masking tape. Ça valait 2 euros, je crois. Ouais, 2 euros quand même. Hein. C'est vraiment parce que j'aime chier. Ça, 2 euros aussi. Mais il y a 5 rouleaux, je crois, de masking tape. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5 rouleaux. Et c'est ce modèle-là, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. C'est tout cela là. Voilà. Ouais, j'ai les ongles pourris, mais c'est pas grave. Voilà, donc c'est pareil, hein, Yashi. Donc je n'ai pas tenu. Toujours sur chi. Oui, je reconnais, je suis grave. Il y a des petits crayons. Et tous les crayons sont différents. Le chi dessus est différent. Ils sont trop beaux. Elle est assise, de dos, de face. Un peu les pattes écartées, elle tire la langue et elle dort. Voilà, fais-moi. Je suis. De toute façon, je suis fan. Hein, donc, cherchez pas, je suis fan. Et. Après, il me reste un produit à vous montrer. Après celui-là. Et j'ai vu l'album. Enfin, c'est le carnet. Une vie de chat. Toujours avec chi, bien sûr. Et. C'est ouais, c'est un carnet comme vous savez, comme on fait pour les gosses. Et ben c'est pour les chats. Carnet. C'est un album, quoi. Vous voyez? Pour mettre les photos. C'est sympa. Donc moi je me suis dit, pour mettre les photos des merdeux,
de tous les merdeux. Là, il y a, par exemple, on peut mettre la photo de Lila, puisque c'est le chien. Voilà. Donc, voilà, je me suis dit, je vais mettre les photos, des petites annotations. Voilà. Faire un peu un album. Au lieu que ce soit qu'un seul chambre, il y en aura trois, mais quatre avec ceux qui ne sont plus là, bien sûr. C'est même cinq. On va leur mettre une petite page quand même à eux. Mais voilà, je me suis dit, ça peut être super sympa de faire un petit album sur mes chats. Puisque de toute façon, mes chats, c'est mes bébés. Hein. Ce n'est plus un secret. Je m'en cache pas en plus. Là, on pourrait mettre la tête à Pestouille la première fois qu'elle a vu Lila. Je sais pas, je crois pas que j'ai en photo, c'est dommage. Sinon, ça aurait été pas mal. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'ai trouvé sur Shi. Et le dernier article que j'ai trouvé, c'est encore pour le dressing. Alors attendez, parce que du coup, c'est pas bien refermé. Bah, c'est pas refermé du tout d'ailleurs. Ah mais si. Non mais excusez-moi, je suis blonde. C'est ceci, ma boîte à secret. Pour 4 euros. Donc la boîte, elle est super jolie, je trouve. Et apparemment, il y en a une autre dedans. Excusez-moi. Hein. Il y en a une autre petite dedans. Et je suis curieuse de savoir s'il y en a encore une ou si c'est la dernière. Donc j'ouvre avec vous, c'est la surprise. Que je n'ai pas regardé. Donc la petite boîte qui est la même, mais en plus petit. Et ça, c'est pour mettre dans le dressing. Donc, ouais, il y en a encore une. Je vais voir comment je les range. Bon, je pense qu'il n'y en a que trois. C'est plus léger, là. Excusez-moi pour les bruits de plastique. Ouais, c'est la dernière. Voilà. Et la petite dernière, c'est les trois mêmes identiques. Mais la première, la plus grande, je vais mettre les maillots de bain dedans. Et puis après, par exemple, vous savez, les chaussettes, les Miba, là, en collant, là. Les mettre dedans parce que c'est assez fragile, donc comme ça on peut les mettre dedans. Enfin voilà, c'est pour mettre dans le dressing. J'ai un endroit sous la penderie qui est assez. Enfin, il y a de la place quoi. Et je vais mettre les trois boîtes côte à côte. Quand ça sera fini, je vous montrerai peut-être le dressing, peut-être, mais c'est pas dit. On verra. Mais de toute façon, il faut qu'on le finisse d'abord. Donc voilà mes petits achats de la journée. J'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer de vous mettre la vidéo au plus tôt, voilà, je pense pour vendredi, là on est lundi, demain vous avez le vlog, enfin là vous aurez vu le vlog quand vous verrez cette vidéo, et ouais, je pense que je vais vous le faire pour vendredi, comme ça, comme si les petites boîtes elles vous plaisent par exemple, je sais plus, je les ai vues sur une vidéo, c'est pour ça que j'ai pensé à regarder. Si elle vous plaise et que vous en voulez une, d'y aller tant qu'il y en a, quoi. Voilà. Par contre, je cherchais les céréales Jordan, et bah, elles n'y étaient plus. Voilà. Donc, ça, enfin, chez moi, elles n'y étaient pas. Je ne sais pas si elles y auraient été. C'est possible qu'elles n'y aient pas été du tout. Mais moi, je ne les ai pas eues. Donc, un peu déçue de ça. Mais bon, je suis contente d'avoir trouvé mes petites boîtes pour faire un rangement. Puis, alors, il y avait deux couleurs. Il y avait rose ou bleu. Moi, j'ai préféré le rose. Voilà. Mais je trouve que c'est super mignon. Voilà. Allez, sur ce, hop là, sur ce, je vous fais à tous de gros bisous, j'espère que ça vous aura plu. 15 minutes pour tout ce qu'il y avait, je trouve que c'est pas mal. Voilà, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.